C'est facile de parler de la foi, mais c'est difficile de vivre la foi. Parce que quand on parle de la foi, c'est quand on est à l'église, non? On déclare les paroles. Mais à la sortie, à la fin de ce culte, c'est là que tu dois vivre. Raison pour laquelle j'aime parler de la foi comme une action. Luc 5, 5, la Bible dit, « Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Tu as travaillé pour que cette situation-là change. Tu as investi, tu as fait des appels, tu t'es même endetté. Là où tu as des dettes pour la chose. Tu as travaillé toute la nuit, mais rien. Ça vous est déjà arrivé de travailler. Là, tu arrives à l'option 3. Tu dis vraiment, l'option 3, ça va marcher. Ouh, tu es même excité. Tu dis, ah, par rapport à l'option 1, je sais que l'option 3 va marcher. Mais tu arrives à la faire comme ça. Ça ne marche pas. C'est ce que Pierre a dit. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Toute la nuit signifie toutes les options ont été utilisées. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai utilisé tout mon argent de retraite. J'ai utilisé tout mon argent d'épargne. Ça t'est déjà arrivé d'aller toucher les choses que tu avais dit, je toucherai à 65 ans. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai utilisé toute ma force. J'ai convaincu ma famille que c'est un bon mari. C'est une bonne femme. J'ai convaincu. Ouais. J'ai convaincu tout le monde. Comme tu es là, tu as déjà travaillé toute la nuit. Toute la nuit, ce n'est pas juste la durée de 20 heures au matin. Non, tu as travaillé sur ces cas-là depuis. Tu as utilisé les moyens, tu as utilisé les ressources, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire, tu as travaillé, tu as utilisé tes options à toi. Tu as utilisé tes moyens à toi, mais par ta parole. C'est par la parole de Dieu. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Overtime sur overtime. Ça t'est déjà arrivé. Tu conduis. Tu sais que les 5 litres que j'ai, ça va me permettre d'arriver jusque chez frère Tony. Je sais que frère Tony va me donner un autre 5$ pour arriver chez la sœur telle. C'est-à-dire, tu marches par la foi. Ça t'est déjà arrivé de calculer sur la poche d'une personne. Ils ont tellement besoin d'argent. On a vu même des médecins, un médecin spécialiste qui meurt dans un accident parce qu'il travaillait beaucoup. Le médecin a un problème d'argent. Quand tu penses que c'est juste l'infirmier qui a les problèmes d'argent ou les préposés aux bénéficiaires. Mais même les médecins spécialistes, même les médecins légistes ont aussi des problèmes d'argent. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons mis les stratégies ensemble. Chérie, ok, nous on va faire ceci. On va enlever les enfants d'abord à la garderie. Mais c'est que tu oublies. Le sport des enfants a doublé. Mais sur ta parole.